Ces dernières années, le monde a été confronté par de nombreux conflits dans la vie. La vie de plusieurs personnes livrées à leur vulnérabilité. Cette année, les enquêtes ont porté sur les personnes en situation de conflit. Et ces études prouvent qu'en 2024, plus de 300 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire. L'étude montre que les filles et les garçons, ainsi que les femmes et les jeunes hommes, vivent les conflits de manière distincte. Les filles et les jeunes femmes subissent les violences sexuelles et de stress émotionnel en raison de leur situation familiale et de leurs responsabilités, tandis que les garçons et les jeunes hommes sont forcés au combat, souvent avec des conséquences mortelles. Les jeunes ont montré des niveaux élevés de détresse émotionnelle, comprenant des troubles de sommeil, 55% plus ou moins, et une préoccupation constante de 54%. Les filles et les jeunes femmes ont déclaré des niveaux significativement plus élevés de ces indicateurs de stress émotionnel que les garçons et les jeunes hommes. 27% des filles et des jeunes femmes de l'étude ont rapporté des violences sexuelles ou basées sur les genres comme un constant du quotidien, comme l'ont fait les filles et les jeunes femmes dans les entretiens. Les personnes interrogées en Éthiopie en particulier ont vécu ou assisté à des violences sexuelles extrêmes et à l'encontre des filles et des jeunes femmes et ont insisté sur le besoin urgent de sécurité et d'assistance, notamment sur le besoin des services relatifs à la santé mentale. Les filles et les jeunes femmes sont tombées enceintes suite à un viol, ont déclaré être stigmatisées une fois de retour chez elles. 38% des personnes interrogées ont déclaré ne pas se sentir en sécurité ou très peu en sécurité. Les filles et les jeunes femmes, 39%, se sentent très peu en sécurité par rapport aux garçons et aux jeunes hommes, 36%. Plus de la moitié des participants à l'enquête n'ont pas pu suivre d'études à cause du conflit. Les garçons et les jeunes hommes, légèrement plus que les filles et les jeunes femmes, 53% comparé à 52%. Les garçons et les jeunes hommes faisaient la cible d'un recrutement par les groupes armés en plus grand nombre que les filles et les jeunes femmes, 22% comparé à 14%. On a demandé à environ 17% des participants à l'enquête ayant âgé de 17 ans ou moins de rejoindre ou de soutenir un groupe armé. Plus de 45% des participants à l'enquête ont indiqué avoir réduit leur consommation alimentaire. 47% des filles et des jeunes femmes, comparé à 44% des garçons et des jeunes hommes. Les jeunes filles et les jeunes femmes ont également indiqué avoir plus de mal à évaluer l'aide alimentaire. 59% des participants à l'enquête ont indiqué avoir un accès limité à l'eau ou aucun accès. Et 41% des personnes participant à l'enquête ont indiqué avoir un accès limité à l'eau ou aucun accès. Les moyens de subsistance, sont 3% des participants à l'enquête, peu importe leur identité de genre, ont été affectés d'une certaine manière par le conflit dans leur pays. L'assistance et l'aide financière qui aident à reconstruire les économies se sont imposées comme une priorité principale à travers toute l'étude. 65% des jeunes veulent des pourparlers de paix et ils souhaitent également y être impliqués. Les filles étaient plus favorables à l'implication des jeunes que les garçons, puisque 45% des jeunes femmes souhaitaient l'implication des jeunes et 39% proposaient tout particulièrement l'implication des filles et des jeunes femmes dans les pourparlers de paix.